Allez. Participer au concert. Vas-y, Yetifa, tu peux le faire. C'est mieux que des... Ouais, effectivement. On est loin du S. Merci pour le cookie. J'en ai besoin, là. Concentration totale et complète. C'est trop dur! Professionnel du piano. Dites-moi que c'était pas trop mal. C'était un récital très avant-gardiste, jouant délibérément sur la dissonance et les faux accords. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir bien fort notre pianiste, je vous prie. C'est gentil. Il m'a bien défoncé, monsieur. Grâce à vous, le concert s'est tenu comme prévu. En remerciement... Veuillez accepter ce modeste présent qui inclut la carte offerte à tous les spectateurs. Quant à la rémunération prévue pour la prestation... C'est avec moi qu'il faudra voir ça, mon bon monsieur. Voyons si on ajoute les frais de déplacement... Du coup, je pense que si j'avais été moins nul, j'aurais peut-être eu plus de choses. Le pianiste qui s'est enfui. J'ai ouï dire que lui et son amant étaient partis quelque part où ils espéraient ne plus jamais être séparés. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement aidé cet hôtel, mais aussi deux amoureux qui n'aspiraient qu'à un peu de liberté. Oh. Bah écoute, c'est un plaisir. La prochaine fois que tu monteras sur une scène, j'espère que ce sera la mienne. Au plaisir de vous revoir, mes adorables cupidons. Non, mais un petit cœur. Bon, j'avoue... Je suis peut-être pas une professionnelle du piano. Bah arrête, qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Du coup, on a une carte pour Iris, on a une carte pour Tifa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Pampas encore. Et le gyropode. On va faire les pompas. Elle dit au pod, on va aller tuer des gens après. Vous devez bien pouvoir faire un effort. Et pourquoi faut-il être deux pour s'inscrire d'ailleurs? Puisque c'est ainsi, j'ai une idée. Participez avec moi et le problème sera réglé. Je doute que ce soit conforme au règlement. Personne suivante, s'il vous plaît. Oh, encore vous? J'ai un peu de temps libre avant d'aller accueillir l'un de mes supérieurs, voyez-vous.
Et j'ai donc décidé d'observer les lieux en faisant du tourisme. Oui, c'est ça. Bien sûr. S'il vous faut une partenaire, on peut s'inscrire ensemble si vous voulez. Ah mais non, Iris. Pour de vrai? Oui, puisque je vous le propose. Ah, elle est trop gentille. Oh, merci. Elle est trop mignonne. Merci beaucoup. Dans ce cas, je pars devant chercher les pampas bonheur. Rejoignez-moi sur place. Utilisez l'appareil que voici pour photographier les quatre pampas bonheur cachés en ville. Bonne chance à tous les paparazzi. Ouais. Trouvez les quatre illustrations de pampas bonheur cachées à travers la ville de Costa del Sol. Appuyez sur la touche pour ouvrir la carte indiquant leur position et utilisez L1 pour zoomer. Lorsque vous trouverez un pampa bonheur, sortez votre iPad et photo et photographiez-le. Goûtez à de petits moments de joie dans les rues de Costa del Sol. À la chasse au pampa bonheur. Il y aurait pas une carte sous marquée. Comment je suis censée les trouver, moi? Là, on en a un. Jouer un de nos gyropodes vous évitera les ampoules au pied. Photo. Ça l'a pas compté. Je crois que ça l'a pas compté parce que j'étais pas en face. C'est ça, non? Ah bah oui, là maintenant il me le dit de prendre la photo. Ok, bah ouais, bah écoutez. C'est bon là? Attendez, faut que je sois à 40%? 60%. Ah! D'accord. Ok. Là, on est bon! Bien essayé, mais il en faut plus pour me berner. Bah, pourquoi il met toujours 0 sur 4? Ok, non, mais il me marque bien que normalement elle est prise. Très très bizarre cette histoire. Mon petit doigt, petit conchon. Donc là j'ai fait celui qui était à 40%, donc à 70%. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur... Il doit être là en bas, je pense. Parce que si vous voyez un pompa, n'hésitez pas à crier. Pas un pompa bonheur, là, tout rond et tout bizarre. Ok, là, le jeu me dit littéralement qu'il y en a un, mais je ne le vois pas. Ah mince, mais c'est peut-être en fait tout simplement celui qui est... Non, celui-là, il compte pas, on est d'accord. Hein. Non, il y en a un en bas. Il doit y en avoir un ici. Ben c'est moi qui le vois pas ou... Est-il par ici ou peut-être par là? Est-ce que ce serait pas ça? Je pense que c'est lui, hein. Non ! Me trompe dans les touches. Oh, qu'il est mignon avec ses petites épines dressées sur sa tête. Oh, on peut dire qu'il a vraiment piqué mon intérêt. Du coup, en fait, c'est pas le pampa que j'ai pris en photo tout à l'heure. C'était pas ça?
enfin je crois. Ah oui, non, le pompa il était de l'autre côté. Ah non, mais non, mais je suis pas douée. Le pompa il était de l'autre côté, voyons. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyropodes. Photo ! Ou peut-être par là ? Non ! Je me suis encore trompé de touche. Soumet à 40%. Voilà. On est bon. On est bon, plus que deux. Chaque rencontre avec l'un de ces petits farceurs est un nouveau moment de bonheur. Ok. Au suivant. Bah oui, mais c'est moi qui fais tout, alors calme-toi. Donc on a fait à 40 et à 70. Donc si on remonte... Techniquement... bah pareil, ici on devait trouver celui à 30. Les passagers qui ont réservé une chambre au Costa... Ça je pense que c'est pour sortir, donc ça va pas être là. Est-ce que tous ceux qui participent à Costa de la Mort ont pu trouver leur partenaire ? Ouais, on est en cours, on est en cours. Ça a pas l'air d'être dans le coin. Je pense que ça doit être par là, hein. Ouais, 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 on y est. On est dans la zone. C'est bien ce que je pensais, par contre. Ouais, la pampa! Bah ouais. Mais il est où le Pampa Bonheur ? Est-il par ici ? Ou peut-être par là ? Est-ce que vous le voyez, vous, le Pampa Bonheur ? Là, on est plus dans la zone. Là, on est dans la zone. Vous regardez quoi, les gens ? Vous le voyez ? Moi, je le vois pas. Vous, vous le voyez ? Ouais. T'es pas facile à voir, lui, hein. Coucou, petit Pampa. Bah alors, faut pas être timide comme ça, voyons. Je n'imagine plus ma vie sans toi et tes petits compagnons. J'aimerais rester avec vous pour toujours. Il est très bizarre. Merveilleux. Cet homme est bizarre. Cet homme est très étrange. Non. Parce que du coup, il m'en reste un. Lui, il serait plutôt dans le fond de la ville. Avec un zoom à 10%. Je pense qu'il devrait être dans le coin, on devrait pas être très loin. J'ai l'impression de retomber en enfance. Ok, on a trouvé la zone, maintenant faut trouver le Pampa. Faut trouver le Pampa. Faut mettre à poil ou à plume, on a besoin d'exercice. Venez à la course sauvage. La course sauvage, ce qui n'a rien d'une course au passage. Essaye de regarder sur les pots de fleurs, tout ça. Dans la façade, sur le cocotier. Je devrais sécher le travail plus souvent. Il sèche le travail. Ouais, je me disais bien, mais qu'il faisait pas, qu'il était pas en train de bosser. Tout le monde s'en doutait, ça, de toute façon. Trouvez le dernier Pampa. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir les tenues des filles, hein ?
Ah, je crois que je l'ai coupé. Dans la monotonie du train-train quotidien, avais-je oublié le sens de la vie? Mais d'un autre côté, comment pourrais-je tourner le dos à ma société? Mentalité chinera un jour, mentalité chinera toujours. Quel atroce dilemme! Oh, c'est terrible. Non, franchement, tu nous envoies navré, monsieur. Parce que j'ai pas vu encore les maillots de bain des filles, mais j'espère que ça vaut le coup. C'était là, les pampas, par contre. Ah là, c'est Iris qui a tout cassé, c'est pas moi. Voyons voir. Oui, le compte y est. Bravo, vous avez réussi le défi du pampa bonheur. Merci, merci. Je dois admettre que je vous suis redevable. Vous m'avez aidé à réinsuffler un peu d'amour dans ma vie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, me permettez-vous d'envoyer ces photos de pampa bonheur à ma femme et à ma fille? Pour qu'elle sache que je pense fort à elle, même quand je suis loin. Bien sûr. J'ai pris une décision. Si je veux rendre ma famille heureuse, je dois montrer l'exemple. Ouais, montre l'exemple. Téléphone, mâche, mâche. Allô, oui. Oh, excusez-moi, monsieur, j'arrive tout de suite. Au revoir. Bon courage pour la suite. Allez, il nous reste plus. Qui a tout cassé avec les gyropodes. Après vous, ma chère Iris. Bien, Iris. Oh, après vous, ma chère Iris. Mais c'est qu'elles sont vraiment choupines, les deux, sérieusement. Hein. Après vous, ma chère Iris. Allez, allons tuer des gens avec le gyropode. Vous êtes là pour la gyropromenade, j'imagine. Je suis désolée, mais vous arrivez trop tard. Il n'y a plus aucun gyropode disponible. Et c'est quoi derrière toi? Tifa? Attends, me dis pas que tu viens de Midgar? C'est... Des bidonvilles? Oui. Si, pourquoi? Oh, Tifa! Tu n'imagines pas comme tu m'inspires, ma chérie, ma déesse! Vous imitez Johnny? T'es tristement banale, en fait. Rien à voir avec le portrait que Johnny m'a brossé de toi. À l'entendre, j'imaginais une belle Midgarienne cool et branchée. Certainement pas ça. Quoi? S'il te préfère à moi, c'est qu'il n'a aucun goût. Dis donc, la crâneuse, Tifa ne t'a rien fait que je sache. Laisse à Iris. Non, vas-y, Iris, défonce-la. Elle est juste un peu jalouse. J'hallucine ou tu te la pètes? Hé, hey, Jenny, je te paye pas à discuter. Va me récupérer les gyropodes. Tu me parles pas comme ça, c'est clair. J'en ai marre à la fin que tout le monde ici me prenne de haut. Je te rappelle juste ton job. Pas la peine, je démissionne. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Vous deux, vous êtes des amis de Jenny, non? Non. Vous pourriez me rendre service et me ramener les gyropodes à sa place? Entendu, on s'en occupe. C'est bien de vouloir rendre service, mais il y a des limites. Ouais. Je me sens responsable pour ce qui est arrivé à Johnny. Alors, je me dis qu'en aidant Jenny, je pourrais peut-être me racheter un peu, tu comprends? Enfin, c'est surtout pour soulager ma conscience. Allez, au boulot. Ouais. Rapporter les gyropodes rouges, jaunes et bleus disséminés un peu partout dans Costa del Sol au parking ayant la même couleur. Ok, rien de bien compliqué. Faut juste les trouver. Oh, c'est le maître des gyropodes. Mais c'est Chatley. J'ai même pas vu qui était là. Faudrait que j'aille le voir aussi. Ah, en voilà un bleu. Et un rouge. On va peut-être prendre le rouge. Le rouge, je sais où les ranger. Attention, je suis au devant. Iris en gyropode, c'est dangereux. J'ai rien cassé. Ok, ça s'est rangé. J'ai rien cassé. Eh, vous avez vu? Iris, en vrai, c'est trop une pro du gyropode. Elle a rien cassé. Par contre, le garage bleu, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Parce que là, on en a un bleu aussi, mais je sais pas... Je sais pas où c'est qu'il faut le mettre, moi. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyropodes. Et oh, les pompards, où êtes-vous cachés?
Là, par contre, on en a un autre rouge et un autre bleu aussi. Le rouge, on sait où il va. Donc, on peut déjà ranger le rouge. Les gens, ça compte pas comme de la casse, hein. Les gens, c'est rien. Y'a pas eu de casse. Y'a pas eu de casse. C'est dans votre tête. Une femme sérieuse et compétente qui n'a pas peur de bosser dur. Si ça se trouve, c'est ce côté-là qui plaît autant à Johnny. Eh, m'espionne en plus. Il est où le parking bleu? Et apparemment, il y en a un jaune aussi. Vous savez où c'est, vous? Soyez les bienvenus à la c'est bien, j'ai les gyropodes, mais je sais pas si je l'ai pas ou les range, c'est un problème. Ah, parking jaune, il est là. On va aller chercher le jaune qui est là-bas. J'en ai combien à ranger, moi, comme ça? Vous me le dites ou pas du tout? Allez, les bleus, c'est, les rouges, c'est fait. Excusez-moi. Je gère. Des trucs mignons pour aller avec les maillots. Là aussi, elle les a tous rapportés. Et en plus, elle les a rangés de sorte que les personnes suivantes puissent les emprunter facilement. Je commence à comprendre ce qui fait son charme. Excuse-moi de te dire, mais j'ai rien rangé du tout. Je n'ai absolument rien rangé. Du coup, le bleu, il doit pas être loin. En vrai, il doit être dans le coin, le parking bleu. Ouais, je crois qu'elle est arrivée. Je suis pas sûre qu'elle ait vu la même chose que moi. Ah bah, il est là, en fait, le parking bleu. C'est bon, on l'a trouvé. J'avais pas vu. Non, je sais pas ce qu'elle a... Je sais pas, mais... La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyropodes. Ouah, les gyropodes, vous avez vu, je suis une pro du gyropode. Je suis une pro. Enfin, Aerys, c'est une pro. Cloud est naze. Mais on sait maintenant que Aerys, en fait, elle est très douée au gyropode. La meilleure façon de visiter Costa, c'est sur nos gyropodes. Elle est consciencieuse, fiable et toujours prête à aider. Oh, pas étonnant que Johnny soit red dingue d'elle. Faut croire que je me trompais sur toute la ligne. C'est bien, mais c'est Aerys qui a tout fait. Ah, t'es là, Jenny. On a fini de ramener tous les gyropodes. Oh, j'en peux plus, ça devrait être interdit d'être aussi gentil. T'as gagné. Je renonce définitivement à Johnny. J'ai bien compris que je faisais pas le poids face à toi. Désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Tiens, deux cartes en gage de bonne foi. Sans rancune. Attends. On n'en veut pas de Johnny. C'est sympa de ta part, mais je pense que tu devrais en garder une. Quoi? Utilise-la pour t'offrir une tenue d'enfer qui fera tomber Johnny à tes pieds. Mm-hmm. À propos de Johnny et moi, il y a clairement un malentendu. On est des amis, rien de plus. Ah bon? À entendre Johnny, ça avait l'air plus sérieux. Il a tendance à tout exagérer. C'est pas faux. C'est un gars très gentil, mais il a la manie de foncer tête baissée dans les ennuis. Alors en tant qu'ami, je me sentirais plus tranquille si quelqu'un était à ses côtés pour veiller sur lui. T'essaies de me le refiler pour te débarrasser de lui? Ouais, vas-y. Mais non, pas du tout. D'accord, j'ai rien dit. Ok, je vais tenter ma chance. En plus, j'ai l'impression d'en avoir appris davantage sur lui grâce à toi. Et puis, en amour, faut savoir s'accrocher. A plus! A plus! Bon courage, copine! Hey, je l'avais rangé, lui! Dites donc, je l'avais rangé, le gyropode. Tifa, tu veux passer devant? Ok, suis-moi. Allez, suis-moi, Iris. J'aime bien comment elles échangent, c'est top. Alors,
normalement on peut acheter toutes les tenues. Ici vous pouvez échanger vos cartes contre de superbes tenues de plage. Ouais ouais ouais, et j'ai tout hein. Je les veux toutes. Waouh. Vas-y, je t'achète les deux. Pour Iris, la même chose. Sirène rose et fleur de soleil. Quel maillot de bain allons-nous choisir? Et pour pour Red, il n'y a rien du tout. Merci et bonne journée. Bonne journée. C'est pas moi qui ai cassé les piscines. Alors, très chère Tifa, nous avons donc... Ah, il faut attendre qu'elle se change. Nous avons donc cette tenue pour la belle et douce Tifa, elle est magnifique. Et nous avons donc... Je pense que la deuxième est mieux. A du G pour Tifa. Quant à toi ma très chère Iris, je pense que, celle-là elle est vachement mieux. Ouh, ça va être tout mignon tout ça. Hein. Ça lui va super bien, t'es perfecte. On va regarder la deuxième quand même. Avec des petites fleurs et tout dans les cheveux, elle est trop mignonne. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère l'autre quand même. Fleur de soleil. On va lui mettre fleur de soleil. Tu as pris quoi pour Tifa? Eh ben écoute, tu vas bientôt le voir. Attention! C'est le dos d'Iris que l'on voit. Oh, regardez comment elles sont trop belles. Mais cette piscine gonflable est cassée. Elles sont magnifiques, non? Qu'est-ce qu'on pourrait bien voir de sympa? J'ai ma petite idée. Suis-moi. J'espère vraiment que je vais pas me retrouver avec un parc. En vrai, j'ai un doute un peu pour Tifa. Ah, Iris, il n'y a aucun souci. Celle-là, elle est magnifique. Tifa, j'ai un petit peu un doute quand même. Tifa, je me dis que celle-là, elle est peut-être mieux quand même. Je pense qu'elle est mieux. Ouais. Allez, à du G. Allez, à ton tour maintenant. Ok, comme tu veux. Ouais, ça lui va très très bien. C'est bon, on peut aller à la plage maintenant? On est tout bon? Il n'y avait pas Johnny qui... Ah, je devais aller voir Chadley aussi. On va aller voir Chadley vite fait. Et je crois qu'il y avait Johnny qui avait des problèmes, mais on va dire que c'est normal. Chadley, je t'ai vu, t'étais dans le coin. Tu te caches, hein, Chadley? Vous t'avez pas vu, hein? Un petit pas à droite, un petit pas à gauche. Ok. Bienvenue à Costa del Sol. C'est la première fois que je danse et mon corps aime déjà se balancer en rythme. Nous devrions essayer de danser ensemble à l'occasion. Ok. Ouh, ça c'est pas... J'ai zéro point. Je peux rien faire. Absorption de PV. Mais ça peut être trop bien ça aussi. Turbo ATP. Compétence d'armes auto. Je peux pas la faire. T'abuses. Et dans le simulateur de combat, ça dit quoi? Il y a de nouvelles choses un peu? Il y a Alexander du coup? Enfin, Alexandre, plutôt. Bon, on n'a pas eu encore la possibilité d'explorer le coin, donc bon. Non, bah, ok. Bon, on est juste venu le voir, quoi. Si par la suite, vous avez le moindre souci,
N'hésitez surtout pas à me recontacter. Oui, on reviendra. Bon bah écoutez, j'espère en tout cas que les tenues des filles vous plaisent. Moi, je les trouve superbes, elles sont magnifiques. Et puis on va pouvoir aller à la plage. On va retrouver tout le monde. Ah bah non, bah le vlog Johnny. Iris, qu'est-ce que vous faites ici? J'allais te le demander. C'est quoi cette valise? Elle appartient à un cadre de la Shinra. Je suis chargé de la porter jusqu'à l'hôtel. Mais pourquoi? Johnny, tu détestais la Shinra pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ordre du maire. Je lui dois tellement, c'est pour lui que je le fais. En tout cas, on me traitera plus de rat d'égout comme avant. Le mec il sort de Street Fighter ou bien. Merci pour le cookie. Non, bah c'est Johnny, il est comme ça, il est bizarre. Et... Alors ça, c'est ce que j'appelle un look estival. Merci. Vous souhaitez aller sur la plage? Oui, on va sur la plage. À nous la plage. À avec nous la plage. Élégance. Tout à fait, Iris. Avec élégance. Wow. Il y a tout le monde qui se retourne devant elle. Hein. Attention. Comme une jolie conque. C'est ta façon de nous complimenter? Désolé, mais je ne connais rien du tout en beauté humaine, moi. De vraie beauté! Cloud, tout va bien? Oui. C'est juste que... il fait très chaud. Faites gaffe. Allez pas prendre un coup de soleil. Ça fait mal. On a déjà pris toutes nos précautions. Ah, tu pourras me mettre de la crème. Oh. Allez, écartez-vous! Oh, Joe. Ah, vous ici, en voilà une agréable surprise. Non, je ne suis pas venu pour Aerys, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer, toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. Oh, vous allez préparer. Je veux savoir. Mademoiselle, que diriez-vous? Pourquoi elle le suive comme ça? Vous seriez beaucoup mieux loti en travaillant pour la compagnie Shinra, je le suis. Ah, c'est tentant. Ouais. Sinon, c'est moi où c'était marqué que les tenues étaient assorties avec celles de Cloud. Donc c'est pour ça qu'on aurait de l'amitié qui serait évoluée. L'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. C'est très fou, professeur. Après tout, un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Normal, il est trop beau, Joe. Non. Non, non. Mais il est quand même bien accompagné, le mec, hein. Par contre, là, il y a des soldats armés. Armés d'une batte pour taper des pastèques, je crois. Bon, faut qu'on aille voir ceux qui mijotent, je présume. Cette blouse blanche vous rend vraiment très sexy, professeur.